ce sera finalement à la justice de trancher. Christine Lagarde, patronne du FMI, ancienne ministre des Finances du gouvernement Sarkozy, va être renvoyée devant la Cour de justice de la République. Les juges de la Cour de cassation ont décidé qu'elle devra répondre de son rôle dans l'arbitrage tapis contre Crédit Lyonnais. En 2007, elle avait donné son accord à la mise en place d'un arbitrage jugé non réglementaire qui avait indemnisé Bernard Tapie à hauteur de 405 millions d'euros. De l'argent du contribuable, car le Crédit Lyonnais, que l'homme d'affaires poursuivait, était jusqu'en 1998 une banque publique. Problème, la procédure d'arbitrage aurait été, selon la justice, menée avec négligence par Madame Lagarde. Elle risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Bernard Tapie, lui, a déjà été condamné à rembourser l'intégralité des sommes perçues.